Le programme regroupe des pièces de Marc-Antoine Charpentier qui ont été composées quand il était mécéné, on va dire, par Mademoiselle de Guise, issu d'une grande famille française qui mécénait beaucoup les artistes, juste après son retour de voyage d'études en Italie. C'était même exceptionnel avec des voix étonnantes. Ça permet de s'évader. Ça m'a plu, ouais. Mais alors pour quelle raison? Les voies étaient parfaites. Ce qui est intéressant, c'est que des villes qui n'auraient pas la possibilité d'en profiter peuvent en profiter avec ce type de concept. Charpentier a l'intelligence et la finesse de, justement, dans une musique typiquement française, dans le goût de l'époque, de se servir de tout ce qu'il a pu apprendre sur la musique du reste de l'Europe et notamment de la musique italienne. Je dirais que c'est sa grande force parce que dans sa musique, c'est très présent. Et moi, j'ai découvert Charpentier récemment avec un ancien de Monsieur Subiet. Et c'est pour ça que lorsque j'ai vu le concert sur le catalogue, j'ai dit absolument il faut que j'y aille. Donc finalement, ça m'a beaucoup. C'est quand même un compositeur qui est populaire en France, je trouve. Je pense qu'il était quand même très apprécié et très très joué. Aujourd'hui, je dirais pas quand même que Charpentier, l'œuvre est inconnue en France. Je dirais que l'œuvre est tellement colossale qu'il y a toujours des choses à redécouvrir. Des voix extraordinaires, ils étaient en osmose, c'était magnifique. Vraiment très bien.